Je m'appelle Adino Aïblaise, je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai 57 ans. Je suis né plus précisément le 10 juin 1960 à Nombakouté, sous-préfecture de Benjéville. Quand tu as demandé d'asile, tu ne peux pas travailler. Donc je me suis dit, ben moi je ne peux pas rester sans rien faire. Mon activité ici, c'est du jardinage. Ça me plaît bien. Ils m'ont confié encore le conteneur à champignons. Donc j'ai commencé aussi à faire du champignon que je ne faisais pas chez moi. Bon, ben ça m'a intéressé. Et du coup, j'ai demandé comment ça se fait. Et puis, ils m'ont appris comme ça. Et puis, bon, je me suis intéressé. Et au bout d'une semaine, ils m'ont confié la gestion. Chez moi en Côte d'Ivoire, je suis paysan, donc je préfère le jardinage. Et c'est en ce moment-là que Frontière d'Asile m'a mis en contact avec ACIA. On forme déjà une famille. Voilà, donc on s'appelle avec les responsables, on a toujours gardé le contact. On s'appelle chaque matin, on s'envoie des messages. Donc ça me réconforte du coup. Voilà, il apporte beaucoup de choses à la vie, de groupe. Maintenant, il fait vraiment partie complète de l'équipe de la Sauge. Et puis après, de par sa personne, beaucoup de bonne humeur et de joie, puisqu'il est tout le temps de bonne humeur, en train de blaguer et de positiver surtout. Donc c'est très agréable de travailler et de vivre avec lui au quotidien ici. Mais ça fait que quand je viens ici, je ressens la joie de vivre. Je m'engage parce que je me suis dit, lorsque j'aurai mes papiers, j'aimerais faire comme ce que je suis en train de faire ici. Voilà. Écrire un projet pour qu'on me finance, pour que je m'installe.